Coucou! Comment ça va ce matin? Bon, je sais, c'était pas prévu que je vous fasse un live parce qu'à la base, j'avais autre chose de prévu avec mon équipe. Avec mon équipe. Et du coup, ça s'est décalé. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais pas de live, tant pis, parce que j'ai pas prévenu? Ou est-ce que je le fais quand même? Et je vous présente, comme je vous avais dit, un petit truc avec le cudo du mois de septembre et la palette à sourcils pour vous montrer qu'elle ne sert pas que pour les sourcils. Et j'ai une deuxième petite astuce à vous montrer aussi. Donc je me suis dit, allez, il faut que je vous montre tout ça. Donc c'est parti. Je vais juste chercher mon live à partager. Où est-il? Coucou Sophie! Comment ça va? Alors ça y est, je l'ai trouvé comme ça. Je peux partager mon petit live. En attendant, j'espère que ça fera venir un petit peu de monde. Donc, si vous voyez, si vous me rejoignez maintenant, vous pouvez me faire un petit coucou en commentaire. Comme ça, en plus, ça me permet de savoir si les commentaires y marchent ou pas. Hop, voilà, ça c'est fait. Donc, moi, c'est partagé de mon côté. Du coup, vous n'hésitez pas à faire pareil du vôtre. Hein, on est bien d'accord. On est d'accord, on partage, on partage, on partage. Allez, on va enlever ça, ce sera mieux pour pouvoir se maquiller. Ça fait sérieux, j'en ai besoin pour quand je suis en pleine formation et j'étais en train de faire une formation ce matin. J'étais en train de me former. Donc j'avais besoin de mes lunettes, parce que je ne vois pas très bien sinon. Et puis après, ça me fait mal aux yeux, alors du coup, c'est important. Alors attendez, que je vous cale comme il faut. Lui, il m'agace. Va voir ailleurs si j'y suis. Coucou, coucou! Comment ça va tout le monde ce matin? J'essaye de vous caler au mieux et de me caler au mieux parce que si je suis toute biscornue, ce sera pas très pratique pour se maquiller. Hello, hello! Coucou Pascal! Bisous Pascal! C'est bien, c'est que j'ai pas sorti la palette à sourcils, ça va être très très utile pour se maquiller en vous montrant la palette à sourcils sans la palette à sourcils. Où elle est ma petite palette à sourcilettes? Elle est là. Bon, comment ça va? Comment ça va? Donc aujourd'hui, je vous avais dit dans mon live de début de semaine que je voulais vous montrer que ma petite palette à sourcils qui est dans le cudo du mois, certes, elle nous aide à faire nos sourcils et on va les refaire ensemble, mais pas que, qu'on peut s'en servir pour maquiller ses yeux. Et oui, tout est possible chez Unique, c'est ça qui est bien. C'est qu'un produit peut être utilisé pour plein d'autres, donc ça c'est super cool. Et puis, bonjour Catherine! Et puis en même temps, je vais vous montrer une petite astuce avec un splurge. Pour cacher les cernes. Je vous en dis pas plus, hein, on fera ça à ce moment-là. Au moment venu, on le fera, mais du coup, pour l'instant, je vous dis rien. Hein. Sauf si vous avez une idée, vous pouvez me noter votre idée, mais pour l'instant, je ne dis rien. Bah, ça va super, et toi? Moi, ça va bien. Moi, ça va bien. Bien, bien, bien. Qu'est-ce que je voulais dire autre chose? Je sais plus. Coucou Marine! Comment ça va? Je vous ferai vite fait aussi à la fin un petit récap sur les promos, tout ce qui est en cours là, sur les 4 derniers jours du mois. Impec aussi. Ah bah tant mieux. En plus il y a du soleil, même s'il fait pas très chaud encore ce matin. C'est vrai qu'il caille le matin et que l'après-midi il fait super beau, mais il y a du soleil. Alors moi, tant qu'il y a du soleil, ça me va. Moi j'adore le soleil. Donc voilà, je vous ferai un petit récap de tout ça. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager le live s'il vous plaît. Je vous savez que je vous le dis à chaque fois. Mais moi, ça m'aide énormément. Et puis, coucou ma belle Estelle, ça ma bichette. Ça re-va bien plutôt. Voilà, partagez, parce que voilà, je vous le dis, moi, ça m'aide énormément. Ça m'aide à me faire connaître. Et ça peut toujours intéresser des personnes de votre entourage Facebook. Soit par les produits, soit par les petites astuces, soit pour découvrir des petits make-up, tout ça. Soit bah, par l'opportunité. J'arrive plus à parler. Quelle horreur, c'est horrible. Des fois, j'ai.
soit du coup par l'opportunité de venir faire ce que je fais, par voilà, de rejoindre ma belle équipe que j'aime très fort et que je suis très fière d'accompagner au quotidien. Et du coup, bah, s'il y a quelqu'un que ça intéresse, surtout les filles, surtout. Là, il y a le Portugal qui ouvre dans 4 jours. Oh là là, lundi, il y a le Portugal Uni qui ouvre au Portugal lundi. C'est une chance de folie pour toutes les Portugaises. C'est une chance de dingue d'être dans les premières à commencer le Portugal. Donc, pour toutes les Françaises d'origine portugaise, surtout si elles parlent le portugais, qu'elles sont bilingues, c'est maintenant de me contacter pour en parler et pour qu'elles puissent, elles, à leur tour, voir avec leur contact portugais qui sera intéressé. Pour toutes les Portugaises du Portugal, qui parlent français ou non, c'est pareil, il faut me contacter maintenant parce que c'est en étant dans les premières que vous allez pouvoir cartonner. Dites-vous bien que les premières Françaises à avoir commencé en France il y a 2 ans et demi maintenant, parce que c'était en février 2016, et ben les filles elles cartonnent, hein, elles sont dans le plus haut de la société, sauf si ça leur plaisait pas qu'elles ont arrêté ça. Après c'est comme toutes les personnes qui commencent chez Unique, ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, tant pis quoi. Mais celles pour qui ça a plu et qui ont bossé, et ben les filles elles sont là quoi, ben même là. Donc voilà, ça sera pareil pour les premières Portugaises à se lancer. Donc si vous avez des contacts portugais les filles, que ce soit des personnes qui habitent en France ou des personnes qui habitent au Portugal, s'il vous plaît, si vous pouviez me les envoyer ou les taguer ou voilà, faire un truc, ce serait top pour moi, mais pour elles, parce que franchement, ça change une vie, honnêtement. Moi, je fais pas que ça, je fais pas que Unique, mais déjà, ça m'a changé la vie. Alors imaginez quand on arrive encore plus haut comment ça peut changer une vie. Donc voilà, n'hésitez pas à taguer tous vos petits contacts portugais s'il vous plaît. Merci beaucoup. Oh, merci Catherine pour le partage. Merci beaucoup. Oh, Marine, t'as de la chance au boulot avec le soleil. Ça, c'est cool. Profite. Je te regarde au chaud dans mon lit. Bah toi aussi, mais profite de ton lit. T'as bien raison. Allez, c'est parti, mon kiki. On y va. On va essayer de faire un make-up. Un peu rapide, parce que je voudrais vous parler des promos, de tout ce qui est en cours, de toutes les promos, de toutes les offres, de tout ce qui se passe là sur la fin du mois de septembre. Et suivez-moi bien là pendant les 4 jours qui arrivent, parce que vous savez, je vous avais dit qu'il y avait des nouveautés aussi qui arrivaient en octobre, le 1er octobre, en plus du Portugal qui ouvre. Mais il y a des nouveaux produits qui arrivent qui sortent officiellement, qui reviennent entre guillemets officiellement ou qui commencent à arriver au 1er octobre. Donc je vais vous en publier un tous les jours parce qu'il y a 4 nouveaux trucs. Donc forcément il reste 4 jours, un par jour. Donc si vous êtes curieuse et que vous voulez savoir ce que ça va être, eh ben soyez attentive. Il y en aura un par jour. Je vous dis pas quand parce que j'en sais rien. J'ai pas prévu encore les horaires de quand je vais publier quoi. Mais voilà, soyez attentive. Donc on y va, les filles, vous le savez, pour celles qui me suivent, on commence par la base visage. C'est un incontournable. On n'en met pas beaucoup. Et on vient le mettre sur tout partout. Donc vous le savez, ça fait une barrière protectrice contre le maquillage, contre la pollution, contre bah, tout ce qui est mauvais et qui peut nous faire après des boutons par exemple sur la peau. Ça fait un fini tout doux, tout lisse. En fait, ça vient se mettre dans les petits pores qu'on peut avoir un petit peu d'ouvert et qui nous enquiquinent. Et ça évite bah, du coup que ce soit le fond de teint qui s'y mette à la place, quoi. Donc forcément, ça vous fait un fini beaucoup plus lisse. En plus, la texture est hyper agréable, toute douce. Donc c'est hyper, hyper agréable. Et ça fait tenir votre maquillage plus longtemps. Donc aucune raison de ne pas l'avoir, les filles. Surtout qu'un tube comme ça, ça vous dure pas qu'un mois. Hein. Vous avez vu la noisette que je mets pour me faire le visage entier. Et encore limite, j'en ai presque trop mis. Donc pour vous dire que votre tube, il vous dure. Ça, c'est un nouveau tube que j'ai ouvert au mois d'août, là. Et le précédent, je l'ai gardé un an. Pile pour pile. Je l'avais ouvert au mois d'août l'année d'avant et ça m'a duré un an. Donc voilà. Et sachant que moi, je fais des ateliers, des réunions, je le fais tester. Donc je suis pas toute seule à m'en être servie, quoi. Ok? Allez, on continue. Donc là, on se fait un petit make-up rapide avec le Kudo du mois de septembre. On y va. Bon, alors forcément, il me faut mes produits de teint. Hein.
Fond de teint liquide. On y va. Donc toujours, on vide la pipette, on touille avant de s'en servir. Toujours. Sinon, la pulpe, elle reste en bas. C'est comme l'orangina. Bon, à votre avis, les filles. Alors, Estelle, bien sûr, tu... Hein, on est bien d'accord. C'est quoi les nouveaux produits qui sortent? C'est quoi qui arrive au catalogue? En octobre. Allez, dites-moi tout. Moi, j'aimerais bien savoir si vous êtes curieux, si vous êtes bonne en devinette ou pas, si vous avez le flair ou pas. Moi, je suis nulle en général pour deviner ces trucs-là. Mais du coup, j'aimerais bien voir s'il y en a qui sont meilleurs que moi. Donc, petit pinceau spécial. On met nos 5 gouttes, 4 à l'extérieur et une au milieu. Je vous montre quand j'aurai refermé mon tube. Parce que comme je suis un peu boulet, vous avez vu, 4 autour, une au milieu. Ensuite, on fait la petite indienne, c'est-à-dire qu'on vient en mettre un petit peu de partout. Ça vous permet juste de ne pas avoir du produit qu'au même endroit, mais d'en avoir bien réparti de partout. Une fois qu'on a fait ça, bah, on applique, on étale en fait, hein. Il n'y a rien de compliqué, hein. Donc, petits mouvements circulaires quand vous pouvez les faire, sinon bah, vous l'appliquez normalement, quoi. Parce que mouvement circulaire sur le bout du nez. Non, pas nouveau splurge. Après, ça, ce sera peut-être pour plus tard. Parce que je me dis, s'ils en suppriment autant, c'est peut-être bien qu'ils vont nous en ressortir. Mais c'est pas prévu pour octobre, en tout cas, les nouvelles couleurs de splurge. C'est bien dommage, hein, parce que pff, moi, j'aime trop les splurges aussi. En même temps, j'aime plein de choses, mais... Nouveau fond de teint, c'est-à-dire Catherine. Nouvelle texture, qu'est-ce que tu veux entendre parler par nouveau fond de teint? Ouais, je vais pas donner les réponses aussi facilement, faut pas rêver. Ce serait trop facile sinon. Ce serait trop facile. Donc vous avez vu la différence de teint déjà? Donc on est bien d'accord les filles. Que le fond de teint. Catherine, tu triches ou pas? Comment ça marche? T'as tes sources? Dis-moi tout. Ou t'es trop forte alors? Ah non, je l'ai déjà dit dans mon dernier live, je crois. Je crois que c'est ça. Je sais plus ce que j'ai dit. Je crois que je l'ai déjà dit dans mon dernier live. Mais oui, c'est ça, il y a de nouvelles teintes de fond de teint. Mais je crois que je l'ai dit la dernière fois. Mais si c'est ça, ça prouve que tu m'as écouté. Donc vous avez vu, je n'ai pas de... Ah ouais, bah c'est ça. C'était ça, je sais plus ce que je dis. Oui, bah c'est bien, mais du coup c'est que tu m'as écouté. Merci, ça fait plaisir. Donc vous avez vu, j'ai pas de démarcation. On est d'accord? Vous voyez, j'ai pas de tronche trop foncée par rapport à mon cou. Tout simplement parce que le fond de teint, il est juste là pour uniformiser votre teint. Mais du coup, il faut prendre la bonne couleur de votre teint. Et vous le testez à ce niveau-là, au niveau de la mâchoire, pas sur votre main, parce qu'on n'a pas la même couleur au niveau de la main qu'au niveau du fond de teint. Donc bien prendre la bonne couleur de fond de teint, ça uniformise, c'est pas facile à dire ce mot-là. Et basta, ça vient pas vous donner bonne mine. C'est avec le reste qu'on va rajouter par-dessus qu'on va venir donner bonne mine. C'est tout. Ok? Donc si vous avez besoin d'aide pour les couleurs de fond de teint, vous me dites les filles. On trouvera ça ensemble. Ensuite, à votre avis les filles, pour faire mes cernes, je vous ai dit que j'allais utiliser un splurge. À votre avis, donc je précise, c'est un splurge en promo, tant qu'à faire. Quitte à... ça, en fait, ça vous donne une autre astuce, parce que bien sûr, vous pouvez l'utiliser pour... Pour votre, et je l'utiliserai pour l'ombre à paupières, en tant qu'ombre à paupières sur votre paupière, hein, comme c'est son but de base. Mais on peut s'en servir aussi pour les cernes. À votre avis, quelle couleur c'est, les filles? Je vous laisse 30 secondes pour me dire quelle couleur c'est. Tic, tac, tic, tac. Alors, excusez-moi, on enlève le petit. Quelle couleur? Non. Après, c'est compliqué, vous savez peut-être pas tout, vous souvenez peut-être pas toutes les couleurs qui sont en promo en même temps.
Non, c'est... Non. Coucou Vanessa! Comment ça va, ma belle? Non, c'est pas du tout... C'est vraiment un hyper discret. Pas du tout aux couleurs de l'hiver. Je vous montre? Oui, ça va super bien, merci Vanessa. C'est le bittersweet. Hey! Je vais vous montrer ça. Donc je vous le montre sur la main déjà. Je vous le montre sur... Oh, décidément ce matin, oh, j'arrive pas à parler, hein. Une catastrophe. C'est ça, vous comprenez pourquoi maintenant ça peut aller? Parce qu'en fait, c'est une super couleur en fait qui va illuminer votre regard mais qui va bien cacher les cernes. Donc faut pas en mettre trop, hein, faut pas s'emballer non plus, mais on y va. Alors je vous le dis les filles, j'ai jamais essayé, hein. J'ai vu ça et ça marchait super bien. Oh merci beaucoup Vanessa, c'est adorable. Merci merci beaucoup beaucoup. Merci pour vos partages, c'est adorable. Ça m'aide beaucoup, beaucoup beaucoup. Donc on y va, on va tester. J'ai vu ça. Alors, c'est une Américaine qui avait fait ça. Alors, je ne sais pas par quelle idée un jour ça lui a pris de se dire, oh, je sais pas quoi faire, je vais mettre mon splurge qui est pour un ombre à paupières sur les cernes. Je ne sais pas pourquoi. Mais des fois, il faut pas chercher le pourquoi du comment, parce que ça marche. Faut pas chercher. Donc voilà, vous avez vu en fait, je fais des tests avec vous en live, hein, les filles. Hein. Je ne vous cache rien. Tout ce que je fais, je le fais avec vous. Hein. Alors peut-être des fois ça marchera pas. Peut-être que oui. Mais honnêtement, ben, nom de Dieu, ça les cache plutôt bien. Qui aurait cru un jour que je me mettrais du fard à paupières sous l'œil? Pas moi. Non mais regardez ça, c'est drôle. Donc là, j'ai rien sur celui-là, hein. C'est juste pour pouvoir estomper un petit peu le splurge pour que ça fasse un fondu en fait avec mon fard. Regardez ça, quoi. Je suis choquée. Vous avez vu comment ça cache bien les cernes, quoi? Oh, truc d'uf. Bon, ben voilà. C'est un test réussi. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un test réussi pour vous, les filles, ou pas? Va vers l'autre côté, quand même. Il paraîtrait que ça se fait. Bon, après, si j'en mets pas assez, ça marchera pas non plus, mais... Donc je change pas ma technique par contre, hein. Je fais toujours en triangle, hein. Ça change pas, c'est pas parce qu'on n'utilise pas le correcteur d'habitude qu'il faut pas... Qu'est-ce que vous en pensez alors d'utiliser le splurge en... En anti-cerne? C'est drôle, je trouve. Et alors par contre, n'ayez pas peur, ça vous fait pas un effet pâté ou ben, vous le sentez pas en fait de l'avoir au niveau de vos cernes, vous le sentez pas. Hein. Belle heure! Y a plus personne? Franchement, ça change! Bon bah voilà les filles, on aura testé. Nous savons maintenant officiellement que nous pouvons utiliser un splurge bittersweet pour faire les cernes. Qui eût cru? Bah moi j'aurais pas essayé, hein. J'avoue que je l'aurais pas tenté si j'avais pas vu en vrai que ça marche, bah, en vrai en vidéo que ça marchait. J'avoue que je l'aurais pas tenté celle-là, mais pour le coup, si ça marche plutôt bien.
Vous en pensez quoi, vous les filles? Vous me dites rien là. Vous êtes devenues discrètes. Allez, on cache bien ses cernes là, toc. Qu'on voit pas les ravages du fait qu'on n'a pas assez dormi cette nuit. Bon, bah voilà. Je pense qu'on est pas mal, j'ai envie de dire. On a bien caché nos petites cernes. Je vais venir prendre ma poudre de finition médium avec le pinceau intégré qui va me permettre de venir fixer mon maquillage. Donc elle est un petit peu teintée, elle a une protection solaire, 25 dedans. Je l'adore, je l'ai utilisée tout l'été, même sans fond de teint, c'est trop génial. Bon, vous m'avez rien dit, les fifis. Vous en pensez quoi de ma petite astuce splurge en promo sur les cernes? Aujourd'hui, je vous partage des trucs que vous pouvez, avec les produits que vous pouvez utiliser en double, quoi. Là, le splurge, vous pouvez le mettre sur les yeux et du coup sur les cernes. Les filles, il n'y a plus personne. Oui, aussi. En fait, je ne sais pas si vous avez vu le maquillage que j'ai fait. Attends, c'était quand? Que j'ai posté hier. Ouais, que j'ai posté hier. Où je vous disais qu'est-ce qu'il y a de différent sur mon maquillage par rapport à mes maquillages de d'habitude. Je vais vous donner la réponse à vous en live, je ne l'ai encore pas donnée par écrit. Concrètement, j'ai tout inversé. C'est-à-dire que sur mes yeux, j'allais dire le plus clair des deux, même s'il n'était pas clair, mais celui qui faisait un peu bordeaux framboise avec un peu des paillettes, c'était un splash. C'était un splash, n'importe quoi. Un rouge à lèvres poudre. L'un qui en sorti là en septembre, qui est en édition limitée, c'était le Complicated. C'était à la base, un rouge à lèvres, du coup, que j'ai mis sur les yeux. Et ce que j'ai mis sur les lèvres, donc j'avais mis un rouge à lèvres normal, un rouge à lèvres opulent, c'était le Loaded. Et par-dessus, j'avais mis quoi? Un splurge. J'avais mis le splurge unapologetic, que j'avais mis aussi là en creux de paupière. Et ben, je l'avais remis sur les lèvres. Le unapologetic, c'est un rouge, un orange brûlé. C'était pas un rouge, c'était un orange brûlé. Et ben en fait, j'avais inversé. Ce que normalement on mettait sur les lèvres, je l'avais mis sur les yeux. Et ce que normalement on met sur les yeux, j'avais mis sur les lèvres. Parce que, en fait, les filles, la majorité des produits uniques, les 99% concrètement, vous pouvez en fait les inverser, vous amuser avec, et c'est ce que je vais vous montrer. Ce que je vous montre là, c'est que là, le splurge, ben voilà, vous pouvez le mettre sur vos yeux en fard à paupières. Là, ben, il cache super bien les cernes. Effectivement, vous pouvez l'associer avec un rouge à lèvres. Par exemple, vous mettez un rouge à lèvres rosé ou un peu rouge, et vous mettez celui-là un peu au milieu, là, ça vous fait un joli dégradé de rouge à lèvres. C'est super joli les dégradés sur les lèvres. Donc vous pouvez vraiment faire plein de choses, même si c'est un truc à la base qui est pour les yeux, bah vous pouvez le faire ou autre chose. C'est comme moi, ma palette à sourcils qu'on va utiliser là, je vais m'en servir aussi comme fard à paupières. En fait, dites-vous bien que vous pouvez faire plein de choses et que c'est pas parce qu'on catégorise ça à la base comme tel produit qu'en fait il se cantonne à être que ça. Donc ça, c'est aussi ce que j'adore avec Unique, et c'est que ça marche, quoi. C'est que ça marche. Allez, on va se mettre un petit peu de poudre brillante pour se donner bonne mine. Donc, le creux. Au niveau de l'os, quand vous faites le poisson, ça vous creuse exactement l'endroit où vous devez mettre votre poudre bronzante. Voyez, vraiment dans le creux, vous remontez au niveau du dessus de votre œil. Donc vraiment. En fait, c'est le creux, hein. Vous n'avez pas besoin, c'est pas compliqué, vous vous trompez pas. On se fait le dessous du menton et de la mâchoire.
Vous voyez, pour l'instant, c'est pas joli, on est bien d'accord, mais on a fait juste que démarquer et après on va estomper. Ça, c'est comme pour tout, vous savez, les fards, on fait pareil, on fait pour tout pareil en fait, hein. On pose la matière et on estompe après. Et on peut se faire aussi les petites arcades du nez et le bout du nez. Ce qu'il faut vous dire, les filles, c'est qu'en fonction de ce que vous voulez cacher ou faire ressortir, vous allez soit utiliser un illuminateur, soit une poudre bronzante. Tout ce qui est zone un peu à affiner, à cacher, etc., pour affiner les amincir, vous utilisez la poudre bronzante ou le côté foncé de votre stick duette. Voilà, vous pouvez aussi utiliser un fond de teint plus foncé. Du moment que c'est plus foncé, ça vous fera le côté affiné. Quand vous allez mettre de l'illuminateur, il faut que ce soit sur des zones que vous voulez mettre en avant, où vous voulez attirer la lumière. Donc par exemple, si vous détestez votre nez, vous n'allez pas mettre de l'illuminateur sur votre nez, on est d'accord. Et donc là, on vient juste estomper ce qu'on a mis. Donc là, j'ai fait léger parce que je veux pas un make-up trop prononcé. Je veux, voilà, quelque chose de plutôt naturel et discret. Mais si je voulais plus prononcé, je mettrais plus de fard. De poudre bronzante, quoi. Mais du coup, vous comprenez, en fait, ça vous fait un 3. Tchac, tchac, tchac. Ok? Mais vous avez vu, déjà rien que ça, bah, ça donne bonne mine, quoi. Et on va venir se mettre un petit côté frit, un petit côté frais. Avec notre petite blush Sweet. Donc là, on sourit, c'est l'inverse. On sourit. Alors, j'en ai pas mis beaucoup. Et on étire. Ok? Donc j'en ai mis pas beaucoup non plus, hein, on est bien d'accord. Coucou Sonia! Allez, on va aller se mettre notre petite base paupière, comme d'habitude, ça change pas. Donc pareil, vous avez vu, on n'en met vraiment pas beaucoup. Et on met sur toute la paupière. Mobile, le creux de paupière et on remonte. Coucou Delphine! Comment ça va les filles? Pareil de l'autre côté. Donc c'est pareil les filles, hein. Ça c'est un indispensable à avoir. Si vous voulez des fards qui tiennent, qui ne bougent pas, qui soient parfaits et que les pigments ressortent, la base paupière les filles, il n'y a pas de mystère. Moi, je l'utilise tous les jours, du moment que je mets un fard. Hein. Si j'en mets pas, je l'utilise pas, on est bien d'accord. Mais je l'utilise tous les jours et moi, je suis trop contente. Hein. Mon maquillage du matin, mon maquillage du soir, c'est exactement le même. Mes fards ne bougent pas. Et la base paupière fait encore plus ressortir vos pigments. Donc, tout ce qui est un peu pailleté, etc., ce sera encore plus pailleté, ouais. Je pars au taf. Ah, bah, bon courage, ma belle. Bon courage. Et puis, bonne journée à toi aussi. Merci. Allez, on va venir faire nos sourcils et après on va utiliser notre palette pour faire nos yeux aussi. Donc on vient utiliser, vous avez vu, mon petit pinceau qui fait partie de l'offre du mois. Les deux là, ça fait partie de l'offre du mois. Coucou Anne-Sophie, comment ça va? Donc un côté biseauté, un côté plat. Donc on va venir prendre le côté biseauté et pour moi la couleur la plus claire. Donc ça vous faites avec la teinte de vos sourcils, hein. Moi j'ai la palette blonde, mais il y a trois teintes de palettes différentes. Donc, je vous rappelle, coin de l'œil, sourcil, début du sourcil. Coin de l'œil, fin, coin du nez, fin de l'œil, fin du sourcil. Vous pouvez vous mettre des points quand vous ne savez pas. Je vais me mettre le truc dans l'œil. Donc, pareil, toujours l'aile du nez. Avec votre iris, un pink, ça vous fait la zone où ça doit vous faire le descendu en fait. Parce qu'on est d'accord qu'on a une courbe hein, sur nos sourcils, on n'a pas des sourcils en mode. Hein, ce serait quand même pas joli des sourcils en ligne. Donc là où je vous ai montré, c'est vraiment l'endroit où ça redescend. Ok? Donc on vient prendre notre petit pinceau et on vient se tracer. Légèrement sa petite ligne en dessous. Alors moi j'ai pas de gros soucis de sourcils. Donc moi je m'en sers plus pour
vraiment les remplir un petit peu là où il y a des trous, d'accord? Après, quand vous n'en avez pas, eh ben c'est important, hein? Pour ce qui est du haut, on part pas du bout pareil, parce que c'est pareil, on n'a pas un sourcil droit, ok? On part aux trois quarts en fait, donc à peu près de là. Merci pour le pouce, je sais pas qui c'est, mais merci pour le pouce. Et on vient se descendre à l'endroit où on a dit que ça faisait la redescente. Ok? Donc je vous le dis, je suis pas. Si moi j'en suis capable d'utiliser la palette, tout le monde en est capable, hein, parce que jusqu'à là, je m'en étais jamais servi. Donc si je peux le faire, vous pouvez le faire, hein, on est bien d'accord. Tout est possible. Et là, en fait, on vient remplir après notre sourcil. Donc il faut faire des petits mouvements légers. Si vous voulez quelque chose de naturel. Et le but, c'est pas d'avoir un sourcil en mode je l'ai dessiné quoi. Donc c'est des petits mouvements. Coucou ma belle Tatiana, ça va ma bichette? Donc vous avez vu, je fais des tout petits mouvements pour que ça reste naturel. Donc déjà, j'ai pas fini, vous voyez la différence entre les deux sourcils, il y a quand même déjà pas photo quoi. Donc moi j'utilise que la couleur la plus claire parce que, vous avez vu, je suis quand même blonde, hein? Donc si je viens à utiliser la couleur foncée, ça va être vraiment trop discordant avec la couleur de mes cheveux. Donc je vais pas moi utiliser la couleur foncée, mais vous pouvez très bien vous l'utiliser si vous voulez. Commencez par le clair et finir par une pointe de foncé sur le bout. Ça vous fait du coup le côté naturel et voilà. Moi ce serait trop foncé donc je le fais pas. Ben oui, ça va super, et toi? Et donc, on vient finir la petite pointe. Pour ce qui est de là, ici, toujours pareil, et vous faites juste des petits. Vous voyez ou pas? En fait, le but, c'est vraiment que ça reste naturel. Ok? Moi, je veux pas un truc sourcil qui fasse faux sourcil. On veut quelque chose de joli et de naturel, donc on fait vraiment, on y va doucement quoi. Parce que c'est comme tous les produits Uniq, ça marche très très bien, donc on y va tranquille. Est-ce que vous voyez, les filles, la différence entre sourcils faits et sourcils pas faits? Gardez ça. Franchement, si vous me dites que vous ne voyez pas la différence, vous y faites exprès. Qu'est-ce que vous en pensez entre les deux? Dites-moi. Donc, sourcil fait, sourcil pouffé. Fait, pouffé. Merci ma bichette. Bonne journée à toi aussi, ma belle. Tu poses une question, faut répondre oui. Non, faut répondre la vérité. Je sais pas, si vous voyez pas la différence, dites-le moi. Moi, je la vois, mais après, peut-être que vous la voyez pas. On va continuer. Mais dites-moi, ouais, moi, mais je suis curieuse de savoir en fait, parce que je suis pas une pro des sourcils, hein, je vous l'ai dit. Je suis pas une pro des sourcils, donc j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous en pensez, hein. Ah, bon, cool. Ensuite, du coup, là, vous avez deux illuminateurs différents. Vous pouvez utiliser celui que vous voulez. Moi, je vais, c'est en crème, hein, les deux, alors ça, c'est de la poudre. Donc, je vais venir prendre celui qui est là avec mon pinceau plat. Et on vient en dessous. En fait, ça vient redessiner le sourcil. On peut en mettre un peu aussi au-dessus. Et ensuite, on va finir par prendre le gel. Et il vient fixer les sourcils en fait et la poudre qu'on a appliquée. Donc on y va mollo aussi, on est bien d'accord, parce que comme d'habitude, si on en met trop, c'est pas joli. Voilà. Voilou, voilou.
Allez, on va venir faire l'autre et après on passera à utiliser la palette pour les yeux. Eh ben, bonne question, ça tient. J'avoue, je me suis jamais demandé si ça rendait le truc waterproof ou pas, tiens. Je me renseignerai, tiens. Je vous marquerai la réponse dans le live, en commentaire. Dès que j'ai fini le live, je vais me renseigner. J'avoue que c'est une très bonne question. Je me suis jamais posé. Je vous avoue que du coup, bah, moi je suis honnête avec vous, hein, je vous mens pas. Quand il y a un produit que j'utilise pas, je vous le dis. Parce que je vois pas pourquoi je vous dirais. Moi ça m'a toujours fait peur la palette à sourcils, honnêtement. J'ai toujours flippé de l'utiliser. Bah c'est comme tout, hein. Là je me suis forcée parce que je me vois pas vous parler d'un produit du cudo du mois si c'est pour vous dire c'est top alors qu'en fait j'en sais rien du tout quoi. Je la trouve pour le coup très bien. Après, voilà, moi je l'utiliserai pas tous les jours parce que moi mon intérêt c'est pas tous les jours d'avoir un regard si travaillé et compagnie. Voilà, quand je vais aller au boulot, je vais pas me faire flic à utiliser la palette à sourcils. Parce que je me lève déjà à 5h30, il y a un moment, je vais pas me lever à je sais pas quelle heure pour aller me faire mes sourcils, quoi. Ah, vous voulez? Oui, non mais carrément, je suis d'accord avec toi. C'est sûr. Après, j'ai pas, moi en fait, je le fais pas tous les jours parce que j'ai pas à me plaindre non plus. Tu vois, ils sont pas catastrophiques mes sourcils. Et pour les jours où je veux les faire et que je veux que ce soit plus rapide que la palette, j'utilise le crayon à sourcils aussi, c'est pas mal. Mais voilà, c'est effectivement, c'est sûr que les sourcils, c'est l'expression du visage et ça fait ressortir le regard, c'est impressionnant quoi. C'est sûr et certain. Pour celles qui n'ont pas de sourcils, il faut les travailler, les filles, vos sourcils. Moi, j'en ai quand même un peu. En fait, ils sont un peu troués, entre guillemets. Donc effectivement, on voit la différence. Quand je fais mes sourcils, on voit que je comble mes trous et que c'est plus joli, quoi. Ah, voilà. Après, voilà. C'est vrai que je les fais pas tous les jours, quoi. Illuminateur en dessous, on y va. Donc voilà, mais c'était juste pour vous dire que moi qui l'ai quasiment pas utilisé, qui l'utilise très peu et compagnie, j'y arrive. Donc pour le coup, vous pouviez toutes y arriver, hein. Tout le monde peut être capable de l'utiliser et vraiment pour toutes les personnes qui ont des sourcils où il y a beaucoup de trous, pour toutes les personnes qui ont des sourcils où il n'y a pas de sourcils en fait. Parce que faut être honnête, hein, il y en a qui n'ont pas de sourcils. Et ben c'est important, faut s'y mettre. Allez, on va prendre le gel. Après, c'est ça le truc, c'est qu'on a toutes nos petits trucs de prédilection. Moi, j'avoue que mon truc de prédilection, c'est le maquillage des yeux. Je kiffe ça. Mais bon, voilà, c'est sûr qu'il n'y a quand même pas photo, quoi. On voit la différence. Vous pouvez, pour celles qui sont en replay, vous repartez un peu en arrière. Vous allez voir la différence avec mes sourcils faits ou pas faits, quoi. Il n'y a pas photo. Allez, on y roule. Donc les poulettes, je vous ai dit, on continue avec la palette à sourcils pour se maquiller les yeux. On va venir prendre du coup le plus clair avec le pinceau estompeur. Donc vous vous souvenez, j'ai déjà mis ma base paupière. Et on vient du coup dans le creux faire le creux de paupière avec notre pinceau estompeur et notre poudre la plus claire de la palette à sourcils. Multitâche, la palette à sourcils, multitâche. Donc c'est en plus, c'est du marron, hein, donc ça va avec tout le monde. Hein. Ça va avec tout le monde, c'est avec toutes les couleurs des yeux, je veux dire. Avec tout le monde. La fille qui sait pas parler.
Allez, pareil de l'autre côté. Donc là, c'est un maquillage très simple, hein. Il est beaucoup moins travaillé que celui que j'ai fait pour le maquillage d'automne. Mais c'est le but. On ne fait pas tous les jours le même maquillage. Donc c'est important que vous estompez bien aussi, on est bien d'accord, pour éviter que ça fasse une démarcation trop moche. Bah ouais, mais toi tu dois en connaître trop plein en plus. Tu dois en connaître plein. Tu dois pouvoir m'apprendre des trucs aussi, en fait. Je pense que tu dois avoir plein de choses à m'apprendre. Donc là, vous avez vu, ça fait. Donc potentiellement, on n'a pas envie de se prendre le chou. On peut juste rester comme ça, un coup de mascara et puis basta, hein. Mais là, on va se faire un truc un petit peu plus travaillé. Et donc, c'est ce que je vous disais. Le splurge que j'ai utilisé pour faire mes cernes, on va l'utiliser pour faire les yeux. Parce qu'à la base, c'est quand même pour les yeux qu'on l'utilise. Donc on vient prendre notre petit pinceau splurge avec notre splurge et on vient prendre, pas on vient prendre, je vais y arriver, on vient l'appliquer on va se faire les trois quarts de la paupière mobile. Donc vous avez vu le splurge, ombre à paupière en crème, je tapote. Regardez si j'avais mis mon pinceau du bon côté ou pas. Comme ça, vous voyez bien la couleur que ça rend aussi. Et donc, on vient reprendre notre petit pinceau estompeur et on vient repasser. Hop. Donc là, c'était juste pour mélanger les couleurs et faire bah, le fondu. Hein. Donc on va venir faire pareil de l'autre côté. J'ai failli faire une grosse connerie. J'ai failli mettre mon mauvais pinceau dans le mauvais endroit. Ça n'allait pas marcher. Donc, pareil de l'autre côté. Donc là, les filles, c'est tout en promo hein, ce que je vous montre. Hein. Le splurge, ça vaut trop le coup. Il est à 14 euros au lieu de 28. Et vous avez encore quelques couleurs de dispo. Il y a tout. Il y avait 14 couleurs en promo. Là, doit y en rester 8. Ouais, ça fait ça. Parce que j'étais en train de calculer. Il y en avait, s'il y en a 6, je crois, en. Il me semble bien qu'il y en a 6 en. Oh là, en rupture. Je vais y arriver. Trop du mal, la fille. Je suis pas assez dormie cette nuit, faut pas m'en vouloir. Hein. Je me suis pas couchée très tôt. J'étais au resto hier. J'étais au resto avec mes tupines de Unique. J'étais au resto, du coup, bah, en fait, en rentrant, j'ai papoté un peu avec mon chéri, je me suis mis un peu devant la télé, tout ça, donc je me suis couchée pas très tôt. Mon fils qui m'a appelé deux fois dans la nuit, maman, j'ai perdu ma couverture, maman, j'ai perdu mon coussin. Donc forcément, déjà que t'as pas beaucoup dormi, mais en plus, ton fils qui t'a réveillé, le dodo un peu haché, c'est quand même pas simple, quoi. C'est quand même pas simple le dodo haché. Donc je prends le temps d'appliquer mon truc pour avoir exactement ce que je veux. Est-ce que vous, pour celles qui me connaissent, vous savez que je suis un peu chiante. Et on va venir prendre du coup, vous vous rappelez, on a deux couleurs, la couleur claire, la couleur foncée. La couleur claire, on l'a mis en intermédiaire. Et on va venir prendre un autre pinceau pour se faire la couleur foncé,
Donc, je prends mon petit pinceau. Alors, c'est à la base, c'est le pinceau creux de paupière, mais que j'adore utiliser aussi sur l'extérieur. Et on vient se prendre le foncé du coup. Qu'on va venir s'appliquer sur l'extérieur. Donc, c'est top parce que du coup, votre palette, elle vous fait les sourcils, elle vous fait les yeux en même temps, quoi. C'est trop génial. Et on fait. Le petit mouvement de zigzag, ça mélange nos couleurs. C'est pas compliqué. Puis en plus, franchement, les marrons, ils sont jolis, hein. Ils sont jolis, les marrons. Donc là, je viens juste restomper. Comme ça mélange en fait mon marron clair et mon marron foncé. Et on peaufine pour que ce soit parfait. Tout simplement. Donc là, on vient bien mélanger nos petites couleurs pour que ça fasse le dégradé et pas. C'est toujours le même principe, hein. Il faut que ce soit estompé, sinon c'est moche, quoi. Donc je viens juste, voilà, les travailler entre elles. Vous avez vu ça? C'est cool, hein? Une petite palette à sourcils, deux usages. Au top! En plus, le marron, il est très joli. Donc, franchement, pourquoi s'en priver? Serait dommage. C'est en promo, en plus. Avec d'autres produits que je vais vous montrer après, qui sont géniaux. Donc, pareil, on vient faire l'autre côté. Parce que, bon, on a quand même deux yeux, hein. Puis en plus, ce qui est pas mal, c'est que les marrons, ils seront vraiment adaptés finalement à vous parce que vous allez prendre soit la palette blonde, soit la palette médium, soit la palette dark. Et du coup, ce sera vraiment. J'ai mis un coup sur la table, ça vous a fait un peu chuter. Voilà, d'accord, c'est bien, j'arrive pas à vous remettre. Ah, si, ça y est. Donc on revient estomper, bah, comme j'ai fait de l'autre côté, là au-dessus, pour bien faire le dégradé joli. Et pas avoir un truc en mode grosse démarcation. Et pareil, on vient travailler l'intermédiaire de nos deux couleurs pour bien les mélanger. Ben vous voyez, hein, de toute façon, vous voyez la différence, le avant-après, mélange, pas mélange, on voit la différence que ça a été mélangé, hein. Donc je prends mon temps de le faire parce que c'est quand même plus joli quand c'est bien fait. Et que je suis un peu maniakos. Et que je veux que ce soit pareil des deux côtés, quoi. Puisque si on a un côté qui est d'une façon et pas l'autre, c'est pas joli. Mais là, on est pas mal. Vous avez vu? C'est cool, hein, cette petite palette là. On pourrait. Bon, franchement, vous le savez. Moi, je trouve que si on ne sait pas que c'est une palette à sourcils, on ne sait pas que. On ne sait pas quoi. Je viens prendre mon crayon. Donc, c'est le Proper. C'est du coup l'autre, le troisième produit qui fait partie du Kudo du mois de septembre. Donc, on va venir se le mettre en ras de cils. Tout simplement, légèrement. Voilà, tout simplement. Rien de compliqué, hein. Je vous le dis, je vous l'ai toujours dit, je ne suis pas maquilleuse, donc si moi j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Il suffit de s'entraîner, d'essayer. Et c'est tout. Aider, mais ça, quoi. Ça aide. Voilà. Donc, mon petit trait, mon petit crayon propre que j'adore. On vient nettoyer les petites bêtises qu'on a fait. Hop. Et on va juste venir.
Je cherche mon pinceau. Il est là. Mon petit pinceau liner. Et on va venir se faire un petit trait en dessous. Je le nettoie parce qu'il est un peu dégueulasse. Donc je viens reprendre. Ah, merci Vanessa. Bah, je suis bien contente que ça vous plaise. Produit en promo en plus, c'est cool. Donc on vient reprendre le foncé là. De la palette à sourcils qu'on a mis sur l'extérieur. Et on vient là, en dessous, en ras de cils inférieur. Donc vous avez vu, je mets plus de matière sur l'extérieur et en fait je viens étirer la matière sur l'intérieur de l'œil. En fait, ça me fait mon dégradé aussi en dessous. Donc pareil de l'autre côté. C'est superbe le rendu final. Oh, merci beaucoup. Mais j'avoue que je suis assez contente aussi. Franchement, je suis contente du résultat. Des fois, je me lance dans des trucs, je me dis, bon, ben, on verra bien ce que ça rend, hein. Mais j'avoue que je suis plutôt contente aussi. Je trouve que, en fait, cette palette à sourcils, elle est aussi top en palette pour les yeux. Les marrons, ils sont super jolis, quoi. Et puis, c'est vrai que je trouve que ça va très bien avec le Bittersweet, là. Il est vraiment chouette, ce... C'est quand même dommage que ça s'en aille, hein, franchement. Bon, la palette à sourcils, elle s'en va pas, elle sera toujours dispo, mais elle sera plus dispo en promo et en lot, quoi. Donc c'est encore le moment, les filles, de vous procurer le lot, hein, c'est que c'est jusqu'à la fin du mois. Et du coup, comme je suis dans les marrons, eh ben, aujourd'hui, je vais mettre le mascara Epic marron, du coup. Et puis ça fera un peu plus discret, naturel que le noir. Mais il est tout aussi top. Donc, vous voyez bien mes sourcils avant. Vous allez voir mes sourcils après. Ça n'a rien à voir. Donc, je passe au-dessus pour les allonger encore plus, juste sur les pointes, hein. Et on travaille ses sourcils et on les... Ses sourcils, ses cils, pardon, je vais y arriver. Et on les étire bien, les filles. Je suis love de mon mascara épique. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Allez, on met un peu en bas. Il n'y a quand même pas photo, hein. Et j'ai pas repris une seule fois du produit. On est d'accord, hein. Je n'ai mis qu'une couche. Regardez la différence. Vous voyez ça? Ah, il n'y a quand même pas photo, quoi. Il n'y a quand même pas photo. Et du coup, vous pouvez mettre deux couches sans problème, hein. Pour celles qui veulent mettre deux couches, vous pouvez mettre deux couches. Ah, je kiffe mes cils avec ce mascara. Donc, je ne sais pas si vous voyez un petit peu la différence par rapport au mascara Epic Noir. En fait, c'est juste un peu plus discret. J'ai un petit trou dans mes sourcils là, faudrait que je me fasse le sérum là. J'ai un trou dans mes sourcils. Je vais me faire une petite cure de sérum, je pense. Ça va venir me les faire repousser là au milieu, ça sera bien. Parce qu'un sourcil, il s'est perdu en cours de route, je crois. Un cil. Un sourcil. J'ai du mal entre cils et sourcils. Ouais, ils sont tout petits là au milieu là, c'est l'ego. Bon, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi j'aime bien ce petit rendu sur les yeux, c'est plutôt sympa, je trouve. Je vais juste nettoyer mes petites couignasseries que j'ai fait là. Si j'y arrive sans me.
Tu mets un peu du mascara, ça aide pas. Attendez. Il veut pas se mettre comme je veux, celui-là. Il est rebelle ce matin. Voilà. Petit rebelle. Donc je vous rappelle, cadeau du mois, les filles. Palette à sourcils. Non, c'est pas ce pinceau-là. Si je prends pas le bon, c'est pas bon. Pinceau sourcils, le crayon de la couleur de votre choix et le mascara épique que vous voulez. Donc vous pouvez très bien prendre le noir, le marron ou le noir waterproof. Vous choisissez ce que vous voulez. Voilà. Et on va se faire les petits nœuds, les petites lèvres. On va se faire un truc un peu discret et on va prendre soin de ces petites lèvres là qui ont bien besoin d'un petit truc. Est-ce qu'on va se mettre celui-là? Non. On va faire simple et nude. On va prendre le lip bonbon. Celui-là, c'est le vanilla milkshake. C'est le plus discret. Ça fera pas de mal. Un peu à mes petites lèvres. Vous avez vu, ça fait juste une petite teinte légère. Mais ça vient, va venir prendre soin de mes lèvres et ça va pas faire de mal. Donc voilà. J'espère que ce petit make-up il vous plaît. Donc voilà. Et si je vous montre, on refait un petit point, un petit topo. Je sais pas quelle heure il est. Allez, on se prend 5 minutes les filles avant que je coupe pour vous parler de tout ce qui va se terminer en termes de promo, tout ça. Donc, le cudo que je viens de vous remonter, le cudo de septembre, se termine forcément fin septembre. Parce que du coup, 1er octobre, nouveau cudo. Donc, 4 produits en promo, en lot, ça vaut franchement le coup. Vous avez vu, on peut faire un regard de dingue. Là, les sourcils maquillés, ça m'a redessiné le regard. J'ai pu me faire mes yeux nickel avec crayon, la palette et le mascara. Vous avez vu, c'est nickel. Le deuxième, les filles, vous vous souvenez? Ah, oh, merci Anne-Sophie. Moi, je suis contente si ça te plaît. Le cudo du mois d'août, vous vous souvenez? Il a été prolongé sur le mois de septembre jusqu'à rupture de stock. Il y en a encore. Vous vous souvenez, c'est le cudo spécial Association Défendre Innocence. Donc pour rappel, Unique, c'est pas que du maquillage, c'est pas que des soins, c'est aussi toutes les valeurs et tout ce qu'il y a autour. Donc vous le savez, on a la fondation Unique qui elle est plus là pour réparer et pour aider les victimes d'abus sexuels. Alors que la défense d'innocence est plus en termes de prévention et de travail avec les enfants pour aider les parents dans la communication avec les enfants pour faire en sorte qu'il y ait le moins de d'abus sexuels possible ou que malheureusement, quand ça a été le cas, les enfants puissent en parler. Donc ce cudo est hyper important, je vous le remontre. Parce que tous les bénéfices de ce cudo sont reversés à l'association entièrement. Donc autant vous dire que c'est surtout une belle cause à défendre en plus du beau make-up qu'il y a à l'intérieur. Donc dedans vous recevez une petite carte comme ça, je vous le lis. Il y a écrit « Moi seule ne peux pas changer le monde, mais je peux jeter une pierre dans l'eau pour créer de nombreuses vagues. » Et c'est Mère Teresa qui l'a dit. Et effectivement, tout seul, on ne peut rien faire, mais à nous tous réunis, eh ben, une personne plus une personne plus une personne plus une personne, etc. partout dans le monde, eh ben, on peut créer et faire en sorte de faire le moins, qu'il y ait le moins de victimes possibles des abus sexuels. Donc voilà, moi il me touche énormément ce cudo, donc j'ai même pas réfléchi, bien sûr que je l'ai acheté. Donc à l'intérieur vous avez trois choses, vous avez un rouge à lèvres en poudre, je vous le montre sur ma main, qui est totalement d'édition limitée, que créé uniquement pour le cudo. Tout ce que je vous montre, ce sont des éditions limitées créées que pour le cudo, vous ne les retrouverez pas ailleurs. Une fois que le cudo est terminé, vous ne retrouverez pas les couleurs. Donc un joli framboise métallique, il est magnifique, je l'adore. Ensuite, vous avez le petit fard à paupières compact. Je vais vous le montrer sur la main aussi, il est canonissime aussi. Et vous pouvez l'associer avec n'importe quelle autre couleur pour faire des jolis dégradés. Vous pouvez porter seul, hein,
Donc ça, c'est le fard. Vous pouvez le porter seul, il n'y a pas de souci, mais moi je l'ai testé avec plein d'autres couleurs pour faire des dégradés, etc. Et ça rend super bien. Et du coup, le eyeliner aussi spécialement créé pour la fondation. C'est un magnifique gris métallique. Pareil, à porter seul ou pas. Donc voilà, là vous avez les trois. Donc ça c'est le bittersweet à côté, mais là vous avez les trois couleurs du Kudo. Bonne journée! Donc voilà, les deux Kudo qui se terminent à la fin du mois. Ensuite, vous avez beaucoup de couleurs de splurge en promo. Donc le bittersweet, donc les splurge, fard à paupières en crème. Vous avez le extravagante, donc c'est un doré pailleté. Vous avez le Proud, donc c'est un marron foncé mat. Vous avez le Charming, donc qui est un vert pailleté, donc c'est un vert clair. Vous avez Amuse, donc un joli bleu, bleu océan, je dirais. Un mat aussi. Donc 14 euros au lieu de 28, ça vaut trop le coup. Hein. Franchement, vous avez le Happy, vous voyez celui-là, je l'adore. Et ça fait un moment que je les ai, je les utilise pas mal et vous avez vu, ça descend pas quoi. Donc le Happy, c'est un gris mat. Ensuite, vous avez le Majestic, un violet pailleté. J'arrive pas à le refermer. Ensuite, vous avez le Skeptical, donc c'est le noir pailleté. Donc là, pour des smoky eyes ou des threadliners trop jolis, c'est canon. Vous avez le Grateful qui est un beige. Donc celui-là, pour des make-up nude, c'est génial. Ensuite, le Dreamy. Donc c'est un bleu clair pailleté. Vous avez le Defiant, cuivré pailleté. Et vous avez, qu'est-ce que j'en ai fait? Non, c'est pas là. Bing. Et vous avez trois couleurs métalliques, donc le Trisurde. Je suis désolée, hein, mon anglais, je suis désolée, mais ça ne change pas, il est toujours aussi nul mon anglais. Le Mysterious. Et le Ferocious. Il est beau, le bleu jean, là, il est canon celui-là aussi. Ensuite, vous avez la collection été qui disparaît aussi. Donc, je l'ai pété, j'ai eu dégoûté, je ne sais pas comment il s'est pété dans ma trousse, je pense. Vous avez l'illuminateur doré, donc vous avez vu, il est bien défoncé, il faut que je le répare. On a une technique pour réparer les poudres. Donc, vous avez ça, vous avez les huiles pour les lèvres, comme ça, donc noix de coco et cacao qui sont en promo. Vous avez l'huile pour le corps pailleté qui est en promo. Alors celle-là aussi, ça vaut trop le coup. Elle sent bon. Vous êtes canon pour l'été. Donc prenez-en un en stock pour l'été prochain. Ensuite, vous avez des petits splashes en promo. Donc rouge à lèvres mat. Donc vous avez, je vous montre, le Stubborn qui est juste là. C'est un magnifique rouge framboise. Vous avez le Spellbond, c'est un violet foncé. Je vais y arriver. Violet foncé. Et vous avez le Smashing. Kiwi, non, il était déjà plus dispo. Et le Smashing qui est un rouge orangé. Et vous avez le bleu, mais je ne peux pas vous le montrer, je ne l'ai pas. Ensuite, vous avez aussi. Il m'en manque un. J'ai perdu le gris. Qu'est-ce que j'ai fait de mon gris là? Vous avez les eyeliner en feutre. Liquide en feutre. Il y a plusieurs couleurs et il y en a une, je sais pas ce que j'en ai fichu. Bon bah c'est pas grave, tant pis, je vous la montre pas. De toute façon, vous pouvez la voir sur le site. Hein. Ah si, il est là. C'est bizarre. Donc vous avez comme ça. Donc vous avez le Precarious. Ah ouais.
Ah bah écoute, moi je l'ai jamais vu le kiwi dans les promos. Noix de coco et cacao, oui. Mais le kiwi, il me semble pas l'avoir vu, tu vois. Ou alors j'ai loupé un truc, mais il me semblait pas l'avoir vu, hein. Donc Precarious, c'est le bleu. Et le Powerful que j'ai, alors je les ai pas tous, c'est le gris, il est canon le gris. Trop trop beau. Donc ça tient hyper bien, hein, vos liners, ils bougent pas. Vous avez aussi que je n'ai pas, il y a le noir, vous avez le marron. Et je pense que j'ai fait tomber là. Et vous avez le vert. Voilà, il reste une encre à lèvres aussi en promo, une seule. Les autres qui étaient en promo, bah, sont plus dispo. Je sais pas ce que j'en ai fait. C'est là, je peux pas vous le montrer, je le retrouve pas non plus. C'est le Savi, c'est un violet, mais très le violet clair qui est assez discret, qui va bien. Voilà pour toutes ces petites promotions. Ils disparaissent, je suis dégoûtée, les splurges, on leur dit au revoir. Sniff. Sniff, sniff. Moi, je les aimais bien, mes petits splurges. Ah ouais. Ouais, malheureusement, c'est ce que je vous disais, les filles. C'est qu'il y a déjà des ruptures sur des splurges. Et effectivement, le Mysterious est en rupture. Alors, moi, je le montre quand même parce que des fois, ils en retrouvent de derrière, je sais pas trop quoi. Et des fois, ça arrive que pim, ça réapparaisse. Donc moi, je le montre comme ça quand il y a une cliente qui me dit, ben, si jamais par miracle ça revient, bah ben, au moins je peux lui commander avant même qu'elle me dise quoi que ce soit, quoi. Donc c'est pour ça que j'y montre quand même au cas où du cas où du cas où cas où. Voilà. Bon, les filles, je vais vous laisser, je vais vous faire des gros bisous, je vais aller me nettoyer la main avant d'aller chercher mon fils à l'école parce que je me vois pas trop aller récupérer mon fils avec ça sur la main. Voilà, je vous fais des gros bisous. Normalement, je vous refais un live demain. Voilà, j'espère que ces petites astuces d'utilisation de splurge à deux endroits, de la palette à sourcils, du cudo du mois, tout ça, ça vous a plu. Si vous êtes intéressé par quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. Si vous avez besoin de conseils, vous me contactez. Et puis, si l'aventure vous tente, surtout n'oubliez pas, vous taguez vos amies portugaises, hein, on est d'accord? Pourtant, j'ai regardé dès les premiers jours. Ah ouais, mais parce que ma pauvre, il y en a, c'est parti en 2 heures de temps en fait. Il y en a, au bout de 2 heures, ils étaient déjà plus dispo. Parce qu'en fait, ils finissent, logiquement, ils finissent les stocks en fait. Donc, je pense qu'il y a des splurges où il y a plus ou moins de stocks en fonction du moment où ils se sont dit on les arrête. Donc, malheureusement, voilà quoi. Oui, c'est moins pire que l'autre jour, on est bien d'accord. L'autre jour, t'en avais de partout quoi. Partout. Mais bon, voilà, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Et normalement, je vous dis à demain. Bisous les filles, bonne fin de journée.